Tu veux acheter? J'ai des choses à vendre. Ah.
phénix admira les narcisses en fleurs. Dernier vestige de l'amour maudit d'un homme pour son image, reflété dans une source. Comment ça peut être une malédiction, ça? Tout le monde le fait. Là, d'ailleurs, je m'admire dans tes chaînes. Bravo, le narcissisme. Ton monde brisé ne mérite pas ma perfection, mais je suis clément.
connexion avec ce monde. Je vais t'ouvrir les yeux. Phénix avait survécu à la rage de Typhon. Pour l'instant. Yeah.
Ça me rappelle des souvenirs. Psyché est allé aux enfers et a rencontré Perséphone qui lui a remis la crème de beauté d'Aphrodite dans un panier. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de la porter à Aphrodite sans regarder. Mais Aphrodite savait que Psyché succomberait à la curiosité. Et que Perséphone ne se contenterait pas de donner une crème pour le visage à son ennemi. Alors, quand Psyché regarda dans le panier, une fumée l'endormit.
S'il y a une histoire d'amour qui me plaît, c'est vraiment celle de Psyché et d'Eros. Oui, elle est venue à bout de ses épreuves. Elle a retrouvé Eros. Après ça, qui aurait eu le cœur de lui refuser l'immortalité pour qu'ils soient ensemble à jamais? C'est beau, Zeus. Oui, ça va. Qu'est-ce que le devoir, sinon un asservissement à des principes? Maintenant, vous allez tous payer votre stupidité! Qu'est-ce que le devoir, sinon un asservissement à des principes?